Nous sommes toujours environ 500 employés à Barbancourt aujourd'hui et nous continuons à travailler avec 3000 planteurs. À la base, j'avais 37% de la société et qu'à travers une holding et un financement d'endettement, j'ai pu racheter à travers la holding 100% du capital de la société. Je pense que Barbancourt, on est très humble par rapport au passé de Barbancourt. C'est une entreprise qui a 158 ans, dont je fais partie de la 5e génération. Et on est humble par rapport au passé d'une entreprise de ce type. Et je suis là pour la transmettre aux générations futures et à préserver ce patrimoine et à le faire fructifier. Les perspectives à venir sont un plan de 5 ans avec de nouveaux partenaires stratégiques, plus particulièrement à l'international, où nous avons finalisé des négociations pour ouvrir par exemple des duty free aux États-Unis, dans différentes villes des États-Unis, au Panama, où nous avons renégocié des contrats aussi de distribution pour les États-Unis et nous sommes toujours en cours de négociation avec des nouveaux partenaires pour l'Europe et aussi l'Amérique latine et les Caraïbes.